Depuis la fin novembre, Voilà. Donc, cette classe de on repère CM2 l'hygiène Abraham compte un et petit nouveau, on a un chaque. capteur pour mesurer la pollution de l'air. On a deux indicateurs, le taux de dioxyde, CO2, et le taux de particules. Donc, quand ça se transforme, quand l'air est mauvais, qu'il faut donner le signal d'ouvrir, toute l'équipe, c'est un outil complémentaire, comme on a dit, favorable, qui est utile pour l'école. C'est la ville de Bram qui a commandé ces 15 capteurs à 65 euros pièce pour les deux établissements scolaires de la commune. Difficile de dire si l'équipement a permis de réduire la circulation du virus. L'école élémentaire compte en effet une vingtaine de cas depuis quelques jours. Mais il permet de rassurer et d'impliquer. Je ne suis pas scientifique et je ne m'improviserai pas scientifique. Ce que je sais, c'est que, en tout cas, ça a permis l'implication des enfants, des jeunes, dans la gestion de cette crise sanitaire. Je crois que c'est aussi rassurant pour tout le monde de maîtriser, ne serait-ce que la qualité de l'air de la salle de classe dans laquelle ils évoluent 6 heures par jour. Et effectivement, les enfants ont compris tout l'intérêt de ces capteurs qui utilisent des émojis pour indiquer la qualité de l'air. Si les fenêtres ne sont pas ouvertes, ben, il va commencer à venir de plus en plus mécontent. Donc on va devoir ouvrir les fenêtres et après on attend qu'il soit content. Tu vois une différence depuis qu'ils ont été mis les capteurs ? Ben, on ouvre un peu plus les fenêtres et ça nous rafraîchit. Un dispositif qui rassure aussi certaines familles. Eh ben, c'est très bien, c'est une bonne initiative de la mairie et de l'école, voilà. Ça vous rassure ? Oui, bien sûr. Ça ne permet de mieux aérer les pièces et de prévenir les symptômes éventuels du Covid. De nombreuses communes équipent leurs écoles de ces capteurs. C'est le cas dans l'Aude, des villes de Limoux, Narbonne ou encore Castelnaudary.